Je suis Magali Balator. Aujourd'hui, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université. Je suis rattaché à un laboratoire, une UMR qui s'appelle Mésopolis, euh, et euh, également chercheur associé au LEST, au CEREC, euh, qui est le Centre d'études euh, sur les qualifications à Marseille. Donc Le LEST est un laboratoire d'économie et de sociologie du travail, et au GIRSEF, euh, qui est un laboratoire de l'UCL euh, en Belgique. Puisque j'y ai travaillé pendant six ans, j'étais chargée de recherche au FNRS, ce qui est l'équivalent du CNRS. Voilà, et donc j'ai beaucoup travaillé sur la question, sur les questions étudiantes, hein, sur les curricula, sur euh, l'enseignement supérieur. Euh, ma thèse porte sur la mobilité à travers le programme Erasmus. Hein. J'ai publié au Presse Universitaire de France, donc un ouvrage sur la mobilité des jeunes européens. Récemment, j'ai travaillé aussi sur les doctorants, donc ce qui va permettre d'alimenter, je pense, cette, cet entretien. Je pense que c'est très important, effectivement, de relativiser ce type de, de mobilité euh, qu'on présente souvent, mais notamment en, en Europe, hein, avec le programme Erasmus comme étant quelque chose de tout à fait novateur. Alors, en fait, bon, les historiens en parleraient mieux que moi, mais euh, notamment, je vous renvoie à l'histoire des universités de, du collègue Charles, hein, qui, euh, mais même Émile Durkheim, en fait, il décrivait déjà les sociétés euh, médiévales comme celle du mouvement perpétuel. Hein, donc, euh, Émile Durkheim, qui est un père fondateur de la sociologie, alors, il parlait surtout des moines, des clercs, c'était les marchands à l'époque, qui se déplaçaient d'un bout à l'autre de l'Europe hein, et qui euh, créaient ce qu'ils appelaient à l'époque un espèce de cosmopolitisme euh, du monde chrétien. Euh, donc c'est vrai que ce rapide, re euh, ce rapide retour euh, historique est important hein, parce que voilà. Alors même à l'époque par contre il faut pas surestimer non plus euh, la, la mobilité. Hein, les bon déjà l'université il fallait pouvoir aller à l'université aujourd'hui c'était pas c'est pas l'université qu'on connaît aujourd'hui euh, fortement euh, massifiée euh, et les objectifs notamment européens de 40% d'une classe d'âge qui obtient un de enfin, un diplôme d'enseignement supérieur donc à l'époque c'était une extrême minorité même l'enseignement secondaire n'était pas était encore élitiste, hein, très peu de personnes allaient ne serait-ce qu'au lycée. Donc, euh, voilà, donc, donc, elle profissait déjà surtout euh, à, une, à une élite et euh, surtout aux grandes universités. Alors, à l'époque, c'était Paris, c'était Bologne en Italie aussi. Mais même là, en fait, les, les étudiants d'origine Wentel, ils, ils étaient toujours minoritaires. Hein. Quand même, il y avait un recrutement à l'époque aussi local, important. Donc, globalement, pour retenir, c'est l'importance du, du monde chrétien le fait que les enseignements étaient dispensés en latin à l'époque, qui, qui aidait un petit peu à, à la mobilité, hein, enfin, qui permettait plus de mobilité interrégionale, mais internationale dans une moindre mesure, mais aussi. Euh, et ça s'est un peu euh, maintenu jusqu'au XVIIIe siècle. Hein, donc, et puis, les, les étudiants les plus mobiles à l'époque, alors ça, on verra que ça a un peu changé, mais sont restés comme au Moyen-Âge, ceux des pays de l'Empire. Et de l'Europe centrale et leurs voyages les, voy leur voyage les menaient principalement vers des universités italiennes. Hein, je pense à Padoue, Bologne, euh, Sienne. Et dans une moindre mesure quand même. Tu veux, donc là, l'Italie était quand même un pays extrêmement attrayant à l'époque. Hein, mais euh, les universités françaises, il y avait euh, Paris, y avait, euh, qui, euh, mais il y avait aussi Montpellier qui était une université notamment médecine euh, euh, qui recrutait beaucoup. Euh, Orléans. Donc, ça prenait l'allure un peu d'un tour, hein, euh, c'était ce qu'on appelait pérégrination, hein, euh, plus ou moins complexe. Hein, et elle va se tarir, effectivement, cette mobilité dans, à partir du XVIIIe siècle, eh bien, parce que l'Europe a connu la création des États, la consolidation aussi des États-nations. Donc, euh, ça, voilà, le système français, t'as qu'il est aujourd'hui, notamment le système dual... Grandes écoles, universités, il est né à peu près à cette, à cette époque-là. Et donc, avec la, la volonté de créer une élite, des élites nationales, etc. Donc ça perturbe un peu, effectivement, euh, les, les pérégrinations. Et, et, mais euh, les, il y a eu aussi des compures confessionnelles. Enfin, il y a des questions aussi là-dessus. Ça ne les fait pas cesser non plus, hein, les pérégrinations. Mais voilà, donc il y a, il y a là, cette première partie du 19e siècle, grosso modo, qui marque un peu une rupture hein, par rapport à cet héritage plus ancien. Euh, donc les, la période, grosso modo, 1840-1940. Enfin, 1860-1940, je dirais. C'est celle de la diversification aussi de l'enseignement, euh, l'expansion, mais aussi la, la professionnalisation. Donc, il y a de plus en plus aussi de, de parcours professionnalisés euh, dans l'enseignement euh, supérieur. Alors, avant, c'était quand même des... des voilà, la, ça ne ressemble pas du tout à ce que c'est aujourd'hui. Hein, mais donc, et ce que je vous ai dit, il y a une espèce de massification à partir de, euh, enfin, de l'après-guerre hein, qui, qui est assez importante. Donc, l'université d'aujourd'hui, elle a quand même... Peu, rien à... enfin, elle a quand même elle a, elle a gardé quand même quelque chose de son universalisme ancien mais euh, elle est beaucoup plus bassifiée que ce qu'elle était à, à l'époque on va dire qui est intéressant alors ça c'est un, une autre collègue c'est une collègue belge qui s'appelle Crochet qui a écrit sur le processus de Bologne quelque chose qui bon parce que le processus de Bologne il a été signé en 99 et au départ c'était plutôt des, un truc interministériel hein, c'était des ministères dans charge de, de l'enseignement supérieur de 29 pays donc il à l'origine de ce processus de convergence là, et elle engage les pays sur différents domaines notamment les diplômes lisibles et comparables ça pour, pour permettre plus de mobilité donc ça a commencé quand même là mais en fait elle, la commission européenne n'a pas été tout de suite dans les comités de pilotage hein, au départ donc il y avait ce système de transfert de, de crédit des de, de transfert des crédits pour et l'harmonisation hein, entre euh, les différents leur, c est, c est, c est, la structuration hein, des études en deux cycles alors ce qui effectivement était très proche du système anglais bachelor master euh, qui est en France bon licence master on a appelé ça alors les, 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 les italiens ils avaient qu'un seul master qui, enfin, qui, qui s'appelait la laurea et donc ils ont dû créer des niveaux intermédiaires donc la triennale par exemple etc donc pour certains pays ça a été euh, une plus grosse euh, un plus gros chamboulement que pour d'autres euh, donc cette structuration mais en fait c'est la la commission qui, qui, qui a trahi un peu le projet de ses initiateurs en la mettant au service des stratégies de Lisbonne et Europe 2020. Alors ça aussi on pourrait en discuter longuement. Moi j'ai écrit un article il y a pas très longtemps sur le benchmarking en éducation, donc avec des indicateurs, souvent des indicateurs quantitatifs, hein, donc d'évaluation de la qualité. Alors ça, pareil, qu'on ne définit jamais. Mais voilà, donc c'est plutôt la commission qui a euh, un petit peu trahi. Euh, au départ, c'était une question de restructuration, euh, de, fin de structuration des, et d'harmonisation des niveaux, euh, d'augmenter de, les mobilités. Mais il n'y avait pas euh, l'idée, justement, de, 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 de survalorisation euh, des caractéristiques des universités prestigieuses, quelque part, avec le développement de comportements mimétistes non normatifs. Là, j'ai toutes leurs concerts qui sont moins prestigieuses. Ce programme Erasmus est intéressant parce que il rappelle le nom de, de Eras de Rotterdam qui était un illustre savant du Moyen Âge, hein, qui, qui, est, qui est né à Rotterdam. Il a étudié dans plusieurs universités, mais là aussi bah, vous voyez voir c'est pas un hasard. Il y a Paris, il y a Oxford, il y a Turin, hein, donc qui est en Italie, Torino, Et donc voilà, donc ça, il, y a, il y a cette filiation. Alors sachant que aussi c'est pas uniquement euh, en lien avec Erasmus de Rotterdam, hein, c'est un acronyme. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'au départ, il faut, faut, le, faut le lire parce que comme ça vous comprenez, vous allez au mieux comprendre comment. A évolué ce programme. Au départ, c'était vraiment University Student, c'est un acronyme pour European Action Scheme for Mobility of University Students. Donc, c'était vraiment les, 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 la, la mobilité euh, universitaire, enfin, en tout cas, les étudiants et sa communauté euh, éducative, et pas d'autres niveaux éducatifs. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant justement euh, dans l'évolution de, de ce programme c'est que ça touche vraiment plus largement en fait la, la jeunesse européenne et à d'autres niveaux. Enfin, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est que au niveau de l'Union européenne, ils ont bien connu, ils ont bien compris que Erasmus euh, légitime un peu l'existence des institutions européennes pour les citoyens, leur intérêt pour les citoyens là où le, euh, les citoyens se sentaient un peu euh, hors de, de, du, du champ, enfin en tout cas, de, de, des premières me mesures qui ont été prises, qui étaient assez éloignées. de Voilà, donc je pense que ça, ça donne des lettres de noblesse à la construction européenne, ça lui donne son caractère, c'est pour ça qu'on parle de, de programme populaire, même s'il n'est pas populaire, mais ça, on va y revenir, j'imagine. Bon, je pose la question à mes étudiants à votre avis, combien ça concerne de personnes d'inscrits dans l'enseignement supérieur à participer à, à ces jours, par exemple Erasmus euh, en Europe et, et en fait, les gens donnent des pourcentages qui sont largement enfin, les étudiants au-dessus de ce que c'est. En fait, c'est toujours moins de 5% de l'ensemble des inscrits. Ça veut dire que plus de 90% en fait, si vous voulez, des étudiants ne sont pas euh, mobiles, enfin, en tout cas, ne participent pas à des programmes de mobilité, notamment euh, européens. Donc, c'est une grande, c'est ça reste une minorité de personnes et, et c'est extrêmement dépendant aussi des contrats des, 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 des contrats qui sont établis dans, euh, entre les universités. Et ces contrats-là, même, en fait, ils, dé, ils, dé, ils dépendent en fait, des universités. Il y a des universités qui ont beaucoup, euh, l'offre, enfin, les étudiants vont se retrouver devant une offre de mobilité importante. Je vous parlais de Sciences Po, en principe, voilà, dans certaines grandes écoles, écoles d'ingénieurs, euh, business school, etc., il va y avoir beaucoup de, de possibilités de partir à l'étranger quand dans des, certains départements d'universités provinciales, il va en avoir assez peu. Et donc, du coup, euh, la sélection elle est plus forte certes mais en même temps ouais, ça, ça permet à quand même beaucoup moins de personnes en fait de de pouvoir partir donc c'est pas effectivement un programme même s'il est dit populaire qui est tellement populaire l'Union européenne sait que voilà ça concerne quand même assez peu de personnes euh, donc essaye donc le, 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 le maître mot hein, des derniers euh, des derniers programmes parce que ça change hein. c'est depuis 2014 par exemple Erasmus est devenu Erasmus Plus et inclut aussi d'autres types de programmes qui avant n'étaient pas des programmes Erasmus hein. euh, qui, qui, qui étaient des programmes par exemple la mobilité de stage c'était Leonardo da Vinci il y avait la, il y avait Comenius pour avec les pays de l'Est il y avait des des, 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 il y avait des, la, de la mobilité aussi pour la formation d'adultes, euh, etc, etc. Tout, différents types de programmes sont tous regroupés enfin euh, ils ont tous été tous été regroupés sous le, sous l'appellation la, Erasmus Plus donc on ne sait plus trop à quoi on a affaire en termes de mobilité mais il y a des mobilités professionnelles des mobilités étudiantes c'est que moi j'ai étudié des mobilités plus hybrides des mobilités très courtes aussi donc effectivement il y a de plus en plus de mobilités mais mais c'est pareil, c'est comme dans le, quand on massifie aussi euh, l'enseignement, ça se segmente. Et là aussi, c'est pareil. Donc, c'est des, des mobilités qui sont difficilement assimilables pour une même analyse, à mon avis. Euh, et c'est vrai qu'avec ce, ce regroupement, en fait, on a vu aussi le, la mobilité de stage augmenter énormément, alors que finalement, la mobilité d'études stagne. Euh, stagne hein, donc, ça, c'est ce qui a beaucoup... Euh, ce qui a quand même pas mal évolué euh, du, ces dernières décennies, quoi, avec euh, cette tendance à, à, en fait, à, à privilégier les mobilités plus courtes, euh, professionnelles, hybrides. Alors hybride, c'est virtuel parce que ça aussi, c'est devenu quelque chose d'assez... Alors depuis la crise, ça, ça, je pense que ça a exacerbé cette, cette volonté de, de faire en sorte que les mobilités soient aussi mo puissent être des mobilités virtuelles. Voilà, donc à euh, sachant que là, toute la difficulté, c'est de savoir, euh, justement, l'offre, en fait, c'est euh, de, de, euh, euh, de ne pas donner, en fait, euh, à certaines populations, certains publics, la possibilité d'avoir que des mobilités courtes, virtuelles, etc., et à d'autres euh, qui seraient plus privilégiés c'est cette mobilité qui est plus, euh, plus longue, Voilà. donc d'essayer de ne pas cantonner, en fait, cette mobilité virtuelle, etc., à des personnes qu'on qu pense éloignées, euh, de cette culture mobilitaire on va dire euh, donc ça c'est toute la difficulté hein, mais il y a assez peu d'études fina au final hein, qui ont été euh, menées hein, sur ces mobilités euh, plus courtes virtuelles etc je pense que ça manque, euh, ça manque au champ hein, de pouvoir comparer justement les profils euh, de ces personnes là par rapport à, à ceux de la mobilité plus traditionnelle longue telle qu'elle elle l'était dans l'Erasmus euh, avant l'Erasmus plus quoi Et, Il n'y a pas effectivement une type, un type de mobilité. voilà il y, a, il y a différents types de mobilité. Il y a la mobilité spontanée. Enfin, on regroupe souvent deux types de mobilité spontanée. Hein. Il n'y a qu'à cette longue histoire dont on vient de parler. Donc, c'est vraiment… Je m'inscris dans un, dans un établissement en dehors de mon pays, mais… Je choisis individuellement en fait de m'inscrire dans cet établissement d'enseignement de supérieur et, et euh, je, 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 je vais y, 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 y enfin y passer un diplôme hein, et il n'y a pas de convention intergouvernementale ou il n'y a pas de support institutionnel financier etc. Ce qui est quand même différent de cette euh, mobilité organisée institutionnalisée qui est de, qui aujourd'hui se développe beaucoup hein, et qui est plutôt une mobilité en cours d'études. Alors ça, ça inclut est celle évidemment offert par les programmes. Erasmus, hein, enfin communautaire, mais il y en a aussi avec d'autres pays, le Canada, les États-Unis, enfin bon, bref, c'est le plus fréquent, c'est quand même là. Et euh, ça s'opère entre des, des organisations qui sont dans des relations contractuelles, un hein, contrat d'échange, de recherche, et au départ, hein, souvent c'est les enseignants-chercheurs qui, qui établissent les liens hein, et qui incluent une certaine réciprocité. C'est là qu'il y a une différence, en fait, avec. Euh, euh, même si elle est parfois différée d'ailleurs, mais qu'il y a une différence avec la mobilité spontanée où en fait euh, bah, chacun individuellement part s'inscrire dans, dans un. Mais bon, il n'y a pas d'échange, en fait, ce n'est pas vraiment des échanges, ce n'est pas un, or, un entrant, un sortant. Alors évidemment, même si cette réciprocité elle n'est pas vraiment respectée, hein, il y a des pays essentiellement exportateurs et importateurs d'étudiants, même en mobilité organisée. mais En tout cas, ça, sur les contrats, quand on signe un contrat, on dit bon, on va s'échanger deux étudiants, trois, quatre, cinq. Euh, euh, on peut faire des échanges aussi avec parce que ça concerne aussi les professeurs, hein. ce n'est pas le même type de mobilité, mais voilà. Donc voilà, c'est à court terme euh, par rapport à la mobilité spontanée, et, et donc la mobilité spontanée à ceux qui, donc, qui choisissent de faire un cursus entier, mais après maintenant, ça se complexifie parce qu'il y a des doubles diplômes, des joint join degrees, il y a des bi-diplômes, ce qui est un peu différent des joint degrees, enfin bon bref. Mais bon, en, en principe, euh, elle est incluse dans le curriculum d'origine, celle qui est, euh, celle qui est euh, organisée, et euh, voilà, le, euh, elle ne peut pas excéder un certain nombre de, de mois, hein, de, en, en principe, une année universitaire. Quoi. C'est pareil, c'est difficile de généraliser sur les motivations hein, parce que, suivant de là où on vient et, de, et là où on veut aller, hein, et suivant ses origines géographiques et sociales, en fait, les motivations vont, assez, elles vont être assez euh, différentes. Hein. Moi, je l'ai vu, et entre un étudiant, on va dire, anglais qui va faire un gap year euh, en, en Espagne euh, pour souffler un peu par rapport à, à, à dans une université assez prestigieuse euh, et qui sait que euh, son insertion professionnelle il la fera dans son pays d'origine et que ça ne le sera pas forcément bénéfique par rapport à, à son insertion professionnelle, il n'a pas les mêmes motivations que l'Italien, que qui, par exemple, dans un contexte italien où il euh, y a un chômage, ils appellent ça en Italie, euh, depuis l'ouvrage de Babali, Donc, euh, où, en fait où, où c'est assez difficile de s'insérer professionnellement, même, même pour les, les diplômés, euh, dans un marché euh, du travail où il y a moins euh, d'emplois de, pour euh, les, les cadres euh, dans des grosses entreprises euh, multinationales, etc., ben, il y a aussi au, pareil au niveau de l'université donc une tendance aussi à essayer de rentrer sur le marché du travail à l'étranger, ben, ils ne vont pas avoir du tout les mêmes motivations et pas non plus les mêmes pratiques, etc. Ce ne sont pas des étudiants bohèmes comme on a pu les voir, euh, ne le voir notamment dans le film de, de, de Cédric Capill, hein, que tout le monde connaît, hein, sur l'auberge espagnole, où en fait on ne le voit jamais étudier à l'université, ce qui est quand même assez intéressant. Mais quand on, les, on étudie vraiment que font les étudiants Erasmus quand ils sont là-bas, ben, souvent on voit bien qu'ils sont plus stratèges que bohèmes, que les motivations sont euh, liées autour d'apprendre euh, une langue, notamment souvent l'anglais en tout cas les langues les plus euh, les plus parlées dans le monde hein, sont souvent enfin les pays dont les langues sont les plus parlées dans le monde sont souvent aussi les pays les plus choisis hein, donc ou, qui attirent beaucoup plus d'étudiants euh, donc voilà et donc après en fonction aussi de, de ses, son, son, ses, ses ambitions professionnelles s'insérer hein, ou pas sur le marché du travail euh, dans son pays ou ailleurs euh, ou essayer d'avoir de, de, enfin, un, un travail à hauteur de ses qualifications euh, pas forcément chez soi euh, donc là aussi c'est pareil donc les motivations ne pas du tout être les, les mêmes hein. et euh, de même hein, que pour euh, suivant le, le type d'institution dans lequel on est parce qu'on sait qu'on est dans un système qui aujourd'hui comme il est massifié extrêmement segmenté euh, donc c'est pas du tout la même chose euh, pour un étudiant euh, d'une université lambda euh, dans un département euh, massifié etc aller à l'étranger c'est une moyenne de se distinguer aussi par rapport à la, à la masse que pour certaines grandes écoles ou écoles je pense à Sciences Po hein, de toute façon où, où il y a énormément de mobilité la mobilité en Europe sera peut-être d'ailleurs une des moins choisies parce que moins prestigieuse que d'autres types de mobilité euh, en Amérique ou ailleurs. Donc voilà. Donc du coup, c'est les, vraiment les, les, les stratégies dépendent de, 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 de beaucoup de choses et donc les motivations euh, également. Mais ce qui est certain, c'est que euh, ne peuvent le, la, le côté bohème euh, ne peuvent se le permettre qu'une petite élite, si vous voulez. Euh, je voyage, l'expérience, etc. Ne, ne, ce n'est pas le cas en fait d'une de, de, grande majorité des étudiants qui partent en Erasmus, qui sont plus stratèges, hein, euh, dont les études et, et euh, la question des études est importante pour eux, la question de l'insertion professionnelle également. Il y a, la, la, il y a le, le, le phénomène de, de la francophonie hein, qui est quand même assez euh, important. Il y a, des, il y a euh, les, les écoles de l'AEFE donc les, les, les écoles françaises à l'étranger hein, qui, qui jusqu'au lycée français etc qui vont former des personnes qui sont amenées quand même très fortement après à poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur français. donc effectivement ça crée un contingent de potentiels en fait étudiants internationaux importants quoi, et qui est lié à l'histoire de la France comme d'ailleurs avec l'Angleterre et les pays asiatiques. Donc, euh, avec une forte mobilité euh, de l'Asie vers, vers l'Angleterre, comme nous, une forte mobilité de l'Afrique euh, euh, vers la France. Quoi. Donc, ça, c'est évident que euh, la, 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 la langue, hein, qui est quand même, euh, voilà, comme, comme je vous parlais de, du, du latin, euh, qui a permis de, de, des pérégrinations euh, importantes au Moyen-Âge, ben là, voilà, c'est le fait de, de la francophonie ou le fait de parler euh, l'anglais, hein, qui, qui est déjà dans son pays d'origine, qui permet plus facilement de pouvoir. Hein, euh, se déplacer à l'étranger. toujours pareil, donc c est, c est des, les écoles de l'AEFE ne hein, sont pas non plus accessibles à euh, n'importe qui. Donc on voit bien que ça crée quand même une certaine aussi euh, sélection euh, des étudiants à l'entrée. Bon. De, de la France. Quoi. Et c'est quelque chose qui est assez privilégié, je crois, aujourd'hui. Hein. Je pense que nos différentes euh, réformes, hein, on a vu euh, Welcome to France, la, la stratégie 2018, euh, qui, euh, qui est quand même, on a beaucoup parlé de l'augmentation des frais euh, d'inscription pour les extra-communautaires. Donc là aussi, c'est pareil, hein. ça crée quand même une, une différence entre les communautaires et extra-communautaires. Mais bon, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, par exemple, en Angleterre avec les overseas students, avec les frais de l'ère tartchérienne donc là voilà. Donc euh, cette volonté en fait d'être de, sur des politiques d'immigration choisies et donc sélectives. Déjà, les regroupements d'universités, typiquement, c'est dans un objectif de remonter dans les classements. Hein. Euh, parce qu'en en fait, le problème, c'est qu'on ne s'interroge jamais sur euh, les, les indicateurs qui font qu'ils qu sont classés, que ces universités sont classées. Donc, les publications en langue anglaise, évidemment. Euh, donc, forcément, ça favorise euh, les, euh, voilà, les, le nombre d'étudiants internationaux parce que, euh, parce que les étudiants, enfin, voilà, c'est la norme de mobilité. Donc, c'est une construction sociale. Ça le disent un certain nombre euh, de, de mes collègues. Hein. Euh, donc, ça, ça a devenu un impératif, un peu euh, d'un projet d'institution en fait, auquel il faut adhérer. D'ailleurs, moi, j'ai avec mes collègues, euh, notamment Guillaume Courty, qui a écrit en 2014 un livre sur euh, la mobilité dans le système éducatif, euh, et qui dit que, qui, que ça projette cet impératif sur le plus grand nombre, ce qui est une caractéristique des élites, finalement. Donc, et si c'est si promu autant d'ailleurs cette, euh, cette, cette, cette mobilité hein, enfin en tout cas euh, qui est une marque de l'élite donc euh, c'est parce que euh, ça, 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 ça rime ce, ce phénomène rimerait avec ce qu'on qualifie aujourd'hui d'indicateur de l'excellence donc c'est une notoriété qui est due à la diversité des publics mais attention alors là c'est ça qui est intéressant c'est qu'on ne parle pas de, de mixité sociale hein, on parle de mixité euh, géographique, enfin, géographique en tout cas d'étudiants internationaux qui ne sont pas forcément des étudiants qui viennent de milieux euh, défavorisés et qui convergent vers certains établissements, hein, euh, donc qui, qui rend cette mobilité euh, désirable. Alors moi je reprends j'aime bien, enfin, j'ai repris dans plusieurs communications, euh, je l'ai noté là une, euh, ce que dit euh, ce que dit le recteur de de la Bocconi, qui est une université à Milan, qui est une université privée. Euh, parce que je trouve, trouve qu'elle est, euh, voilà, euh, est assez exemplaire de, de ce, que, ce que pensent aujourd'hui beaucoup de, de nos gouvernants, dans les, la gouvernance des, enfin, beaucoup de l'équipe de, de, de la gouvernance des universités. Il dit la concurrence n'est plus nation, nationale. Il ajoute seuls quelques opérateurs pourront être des, des, des acteurs globaux. Je considère que mes concurrents ne sont pas les, les autres universités italiennes mais les établissements équivalents dans d'autres pays, et il parle d'HEC, euh, en France, de LCE en Espagne, nous cherchons tous les meilleurs étudiants, donc je le cite. Et donc, en fait, ça, ça, ça m'en fait aussi euh, euh, revenir à la question de, de la, de, 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 des affinités sélectives entre les établissements, parce que là aussi, là on n'en a pas trop parlé, mais l'offre de mobilité dans laquelle vous vous retrouvez, elle dépend d'affinités. Euh, euh, Sélective entre des établissements qui souvent se ressemblent, hein, c'est un peu le, euh, la, la question de qui se ressemble, s'assemble quoi, si vous voulez. Donc les grandes, univers les grandes écoles françaises vont avoir euh, comme partenaires des, euh, des universités bien classées dans d'autres euh, pays. Et vice-versa, d'ailleurs, pour les universités provinciales, etc. Donc, ça, ça, ça redouble, en fait, si vous voulez, les inégalités et le fait que les étudiants ne se retrouvent pas tous devant la même offre de mobilité. Et donc, il va y avoir différents types de, voilà, de, de profils en fonction de, de votre établissement. L'effet établissement va être important dans, dans la, la, enfin le choix votre, vous n'êtes pas totalement libre hein, de, de choisir où vous allez hein, notamment dans la mobilité enfin dans la mobilité euh, en tout cas organisée parce que ça dépend vraiment de ces affinités, de ces contrats qui existent hein, dans des universités qui essayent de se marier avec des universités qui leur ressemblent. Oui, alors bah, ces, ces stratégies-là, comme bon, alors ça, ça, ça me fait penser à un autre ouvrage hein, qui était euh, qui était d'un collectif de chercheurs italiens euh, de, de l'université, donc là de cette fois la, la Bicocca qui est l'université de Milan aussi, mais euh, la publique <laughs> et qui euh, qui parlait de d'effets de, 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 euh, d'inégalités de, de, hein, qui sont dus à, 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 à et cet effet de mimétisme chez chez un certain nombre de enfin euh, ils il montraient des, des des acteurs qui se comportent assez différemment. Bon, il y a ceux qui sont proches de, de de, euh, des critères d'excellence, etc. Et que vont jouer avec les règles du jeu, sans les mettre en, en discussion et essayer, euh, voilà, d'avoir des stratégies pour euh, euh, augmenter leur visibilité au niveau de international. Puis il y a les autres qui, 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 qui ambitionnent, parce qu'ils sont proches quand même de, euh, de, de les rejoindre. Alors ils mettent en discussion, mais un petit peu à la marge, un certain nombre de critères de, de classement euh, de, qui permettent de. Et les autres qui sont dans des positions de lutte, hein, parce que quelque part, ils savent qu'ils ils, ils atteindront. Avec les règles du jeu telles qu'elles sont données, ils n'arriveront jamais à atteindre, ne serait-ce que. Euh, le... arriver, ne serait-ce qu'aux frontières, en fait, de, des meilleurs. Et donc, du coup, il ne leur reste une position de, euh, de, de lutte contre ces de, de, contre ces, les critères qui ont été euh, décidés euh, à ce niveau-là international. Donc voilà, il ça, ça, y a des comportements minémétis qui sont dus en fait, mais, mais tout le monde ne peut pas non plus être dans, dans la tentative d'essayer d'être, de, euh, euh, parce que trop éloigné en fait finalement, euh, avec les règles du jeu qui leur sont fortement défavorables. C'est intéressant aussi ces débats autour de la. la Est-ce qu'il y a fuite Est-ce qu'il y a circulation euh, Alors voilà, donc le, le problème, c'est qu'il y a toujours. Euh, euh, voilà, dans la circulation, il n'y aurait pas. C'est sortir du, de, du mode binaire entre un pays perdant, et un pays bénéficiaire, etc. Mais il y a quand même des inégalités qui sont toujours fortes, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a des pays essentiellement importateurs et essentiellement exportateurs, etc. Donc, euh, mais ce qui est intéressant, en fait, dans ces, ces histoires-là, hein, moi, j'aime bien aussi rappeler ça, c'est que. Euh, plus la main-d'œuvre est qualifiée, moins on, on, les avantages justement de cette circulation internationale sont, sont mis en doute. Hein. Donc il y a une contradiction un peu entre une posture un peu enchanteresse hein, de la mobilité étudiante et professionnelle et les études qui sont réalisées sur cette fuite des cerveaux.